Et yo les amis, c'est Seitis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur Rust. Alors, un épisode plutôt court, je vous dirais, hein, car j'aimerais vous montrer, suite à la première vidéo que j'ai faite sur Rust, qui concernait donc vraiment les bases pour débuter. Voilà, je ne vous avais pas parlé lors de cette vidéo d'une arme qui a son utilité, qui est quand même efficace, hein, vous allez voir. Enfin, ou pas. En tout cas, si je trouve quelqu'un... on n'est que deux sur le serveur. Encore une fois, je préfère être sur un serveur où il n'y a pas grand monde pour pouvoir être tranquille, pour vous montrer tout ça. Donc, en fait, l'arme dont je vous parle... Alors, souvenez-vous, je vous avais parlé de l'arc. Mais vous avez aussi la possibilité, voilà, de crafter ce fusil bricolé à partir d'un tuyau. À condition d'avoir 300 de bois et 100 de fragments de métal. Ce qui est pas... voilà, ça va. Fragments de métal, à partir du moment où vous avez un four, je le rappelle, vous pouvez donc faire ces fragments. Alors regardez, moi je vais le crafter, il y en a pour une minute, et vous expliquer, parce qu'en fait, voilà, quand vous aurez crafté ce fusil, vous n'aurez pas forcément beaucoup de balles. Alors, les balles concernant ce fusil, en fait, seront, si je me souviens bien, des cartouches artisanales. Pour cela, nous avons besoin de pierres, ainsi que de poudre à canon. La poudre à canon, c'est pareil, ça se fait dans le four. Et pour cela, il vous faudra donc, alors je vais retourner, hop, ici. Voilà, il nous faut du charbon et du soufre. Alors, pour avoir le soufre qui est là, d'accord, vous avez besoin de minerais de soufre. Pour avoir le minerai de soufre, ça se farme. Hein, vous savez, quand vous tapez sur du rocher, vous tapez les roches, la roche, pardon, vous avez de temps en temps de la pierre, de temps en temps du minerai de haute qualité et de temps en temps du minerai de soufre. Voilà, vous avez ça, vous le farmez, vous venez dans votre four, vous le mettez dans votre four, très bien, d'accord, et vous, voilà, vous n'avez plus qu'à faire chauffer. Vous avez donc du soufre désormais disponible. On va l'éteindre. A partir de là, vous avez le soufre et vous avez le charbon, souvenez-vous, pour faire les balles, hop, ici. Donc, alors, attendez, du coup, voilà, bah, c'est crafté. Alors, une petite astuce, si vous ne savez pas quelles sont les balles utilisées dans votre arme, vous n'avez qu'à décharger les munitions et vous avez, voyez, ici même, bah, l'item concerné et utilisé par votre arme, d'accord ? Pour tout simplement recharger votre balle, vous prenez votre fusil, vous faites la touche R. Je crois que c'est la touche par défaut, hein. Enfin, en tout cas la touche qui vous permet donc de recharger votre arme. Vous avez vu ce fusil? Et honnêtement, il fait des dégâts. À courte portée, honnêtement, c'est un truc bricolé, mais ça fait quand même assez mal, hein. Moi, je me souviens, m'être défendu avec cette arme-là contre 3 player, c'était, bon, il y a un moment déjà, j'étais en train de faire ma maison et ils sont venus m'embêter, bah voilà, je les ai tenus quand même une demi-heure, hein, voilà, avec cette arme là et arc et flèche, hein, voilà, tout simplement. Donc je reviens sur la façon de faire les munitions. Donc nous savons maintenant que ce sont des cartouches artisanales. Pour cela, il nous faut donc de la poudre à canon que nous avons ici. Voilà, poudre à canon. Pour la poudre à canon, il nous faut du charbon de bois, on l'a vu, et du soufre. Donc on a ce qu'il faut. On va faire le maximum. Allez. On va se créer quelques cartouches. On entend l'hélicoptère. On entend l'hélicoptère autour de moi, là. Hein. Ça fait un moment qu'il tourne, d'ailleurs. Là, il est très proche. Il est très proche. C'est pas le moment de sortir, moi, je vous le dis. Alors, où on en est. Attendez. Poudre à canon, que je ne me perde pas. Voilà. On a ça maintenant. Voilà, on a notre poudre à canon, je vais y arriver. Et maintenant, pour faire votre cartouche, vous avez vos pierres et vos poudres à canon. Donc vous n'avez plus qu'à créer vos balles comme ça. Alors c'est un peu compliqué. Je vais refaire je vais peut-être vous le réexpliquer rapidement. Concrètement, vous faites votre arme. Alors attendez, hop, voilà. Allez, arme. Le fusil, il vous faut du bois, du fragment de métal. Pour avoir le fragment de métal, il vous faut farmer plutôt du minerai de métal. Hein. Ça, on l'a avec en farmant des rochers. Suite à ça, vous mettez dans votre four, vous mettez ce minerai-là, quoi, hein, en fait. D'accord. Bon, ça, on va l'enlever pour l'instant.
Ok. Voilà, vous faites brûler tout ça, ce qui va vous donner ça, d'accord, du fragment de métal, notamment. Et donc, je suis dessus. Le fragment de métal nécessaire, d'accord. Une fois que vous avez ça, il vous faut ensuite, alors si vous savez quelles sont les balles hein, pour votre arme, vous allez directement au niveau des cartouches, ici, savoir ce qu'il vous faut, donc de la pierre, de la poudre à canon. Poudre à canon, on vient ici, ok, on l'a ici. Pour la poudre à canon, il faut du bois et, enfin pardon, non, du charbon, de bois et du soufre, voilà, je le rappelle, le soufre. On l'a, lui, en mettant cette fois-ci dans votre four, ce minerai de soufre, ok, que vous faites cramer, et vous allez avoir du soufre. Regardez. Voilà, je le refais deux fois, hein, voilà, comme ça vous voyez bien, voilà, j'ai mon soufre, j'ai mon charbon, alors le charbon bah, il se ferait automatiquement dans le four lui, tout le temps. Et une fois que vous avez votre soufre et votre charbon, vous pouvez désormais faire votre poudre à canon, voilà. L'étape, j'ai pas assez de soufre du coup, mais voilà, vous faites votre poudre à canon, allez on va le faire ensemble une deuxième fois, allez hop, il m'en faut 20, donc n'oubliez pas, voilà, merde. En deux le truc, ça ira plus vite en pratique hein, en théorie c'est ça, voilà, regardez 2, 3 vous voyez ça monte quand même plus rapidement, donc une fois qu'on en a 20 allez, hop tranquillement, on n'entend plus l'hélicoptère hein, ça y est, je crois que il est venu deux fois, il voulait me choper à mon avis, non il savait pas que j'étais là mais abusé quand même deux fois de suite quoi, hein. Ok, on a les 20, maintenant qu'on a le soufre et notre charbon, vous pouvez, oula, il fait nuit, vous pouvez faire votre poudre à canon, et une fois que vous aurez votre poudre à canon dans votre inventaire, regardez, qui va apparaître là, voilà, vous pourrez ensuite faire vos balles artisanales, enfin vos cartouches artisanales, avec de la pierre et la fameuse poudre à canon. Voilà, voilà pour ce fusil. Alors, il fait nuit. Ce que je vais faire, je vais faire une pause parce que je voulais vous montrer autre chose. Donc, je vous dis à tout de suite dès que le soleil sera de retour. Ok, les amis, de retour. Alors, le soleil se lève tranquillement. Voilà, ce que je voulais vous expliquer. Donc là, on avait vu ensemble voilà, comment se faire une petite arme de base, on va dire. Hein, alors, regardez où je suis. Ah bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je répète que ce sont des vidéos qui sont destinées à des joueurs débutants dans Rust. Bon, alors regardez mon fourbi, regardez où je suis. C'est une sorte de trou à rats, hein, c'est même pas une grotte, je pourrais pas appeler ça une grotte moi. Enfin voilà, bon, j'ai mis mon petit verrou, j'ai mis ma petite porte tranquille. Alors pourquoi j'ai fait ça? Il arrive que, bon bah, c'est quoi là, ce truc là? Ah bah c'est la lumière du soleil, ok. Voilà, il va arriver que voilà, quand vous allez commencer dans Rust, vous allez avoir envie peut-être, ou avoir la nécessité en tout cas, de vous faire des sortes de petites caches comme ça, hein, des trucs temporaires, hein, je dis bien, parce que là oui franchement, c'est voilà, c'est temporaire, mais ça m'a permis, si vous voulez, de faire autre chose, en tout cas déjà d'utiliser mon four. Et ainsi de pouvoir faire déjà crafter mes balles pour mon petit fusil. Voilà, j'ai pu me faire quelques trucs. Voilà, de base, on va dire. Maintenant, regardez, on va sortir. J'écoute avant, hein, s'il n'y a personne. Ah, ce serait dommage de. Voilà, regardez un petit peu, voilà, comment ça se passe. Je vais fermer derrière moi. Voilà, je vais vous montrer où je suis exactement. Voilà, pour que vous ayez une idée vraiment réelle du truc. Voilà, je suis dans ce truc là. Voilà, concrètement, ah, il y a l'air, oula, il y a un truc là-bas. Donc voilà, je suis ici. J'ai opté pour cette cache parce qu'elle est, voilà, bah, elle est un peu cachée par les arbres déjà, d'une part. Ah, ça m'a permis ensuite donc de, voilà, j'ai mis un petit piège ici, hein, qui sert à pas grand-chose. Surtout, je l'ai mis en pierre, car en fait, le gris va bien avec la roche, quoi, finalement, la roche naturelle. Et ça m'a permis de temporiser un petit peu, ça m'a permis de on va raid les E machin avant le wipe, tu veux venir avec nous? Mais alors du coup je sais pas si tu taxes. Ah, ils se parlent entre eux, ok d'accord. Donc là on est 4 sur le serveur. Donc je vous disais, j'en profite, ah, j'ai des petits lags, alors bon bah, je suis en train d'uploader l'autre vidéo.
Ah, ça m'a permis de récolter un peu de ressources pour, regardez, je vais vous montrer maintenant concrètement où je voulais m'installer, vraiment, ici, dans cette grotte. Vraiment, là, on a la grotte, hein, la vraie grotte, qui, d'ailleurs, regardez, voilà, j'ai une petite sortie là-bas, enfin une sortie, plutôt une entrée, hein. Mais regardez un petit peu ce que j'ai fait, voilà, alors, c'est un peu, voilà, ça c'est pas du temporaire, c'est concrètement, ça pourrait être une base. Alors pourquoi les grottes, voilà, je vous en parle parce que, bon bah les grottes, elles sont pas beaucoup utilisées je crois, en tout cas il y a 6 mois de ça, c'était pas vraiment très utilisé. Moi je me souviens qu'il y a 6 mois de cela, quand je trouvais des grottes, car c'était quand même assez rare d'en trouver, eh bien voilà, je n'hésitais pas à me voilà, à construire une petite base, hein. J'ai mon petit sac de couchage, j'ai le coffre, voilà, j'ai pas tout fini, hein, j'ai pas de porte ici, j'ai ma porte blindée là par contre avec mon digicode, hein, voilà. En fait concrètement voilà, le four de l'autre côté m'a permis de faire alors c'est un peu le bordel, voilà, en plus je crois qu'il y a des petits lags. Donc voilà, concrètement, le four de l'autre côté m'a permis de faire le nécessaire pour commencer, je dis bien commencer, une sorte de base, hein, voilà, une base cachée. Alors, mon armoire est à l'intérieur, hein, comme vous le savez, hein, dans la vidéo d'avant, je vous l'ai dit, condamnez vos armoires, voilà, hein, ça c'est un truc qu'il faut absolument faire. Le problème, oui et non, disons que on est caché par les éléments, hein, voilà, les éléments naturels, donc dans une grotte. Ce qui peut nous trahir, c'est justement, bah, en fait, cette armoire. Eh oui, car l'armoire ici, vous voyez que j'ai le logo vert en bas à droite, privilège de construction, mais ça veut dire que, surtout, comment dire, les autres players qui vont passer à proximité de la grotte, eux auront le rouge. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas construire. Alors, c'est pas grave en soi, le seul problème, c'est que ça trahit votre armoire. Voilà, les gens vont comprendre qu'il y a une armoire par ici, ils vont probablement chercher, trouver l'entrée et trouver votre base. Du coup, bon, bah l'armoire elle est quand même indispensable, hein, parce que vous l'avez compris, si vous n'en mettez pas, n'importe qui pourra construire derrière et puis minuit même vous bloquer. Donc il vous faut l'armoire, c'est indispensable. Maintenant, voilà, c'est la contrepartie de votre cache, hein, qui finalement, bah, moi je trouve que c'est pas mal de construire dans les grottes. Là je suis vraiment au tout début. Regardez ce que j'ai fait en bas. Voilà, j'ai mis une petite salle en bas, hein, tranquille, voilà. c'est pas tout terminé, loin de là. Ah, j'ai pas blindé les murs, j'ai rien blindé. Alors, une autre astuce aussi que je voulais vous dire. Imaginez-vous, je vais y arriver, que vous êtes, vous êtes dans la nuit, quoi. Hein. Concrètement, les digicodes. Alors, les digicodes, moi, voilà, je fais en sorte qu'ils soient pas visibles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai mis mon mur ici, j'ai un digicode là-bas, ce qui veut dire qu'en normalement, d'ici, si vous êtes dans la nuit, on voit la porte, mais on voit pas le digicode. Voilà, j'ai fait en sorte qu'on ne le voit pas. Hein, si le gars passe et ne fait pas attention qu'il y ait une armoire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il a les privilèges de construction bloqués, s'il ne fait pas attention qu'il passe devant, si jamais il regarde dans la grotte de nuit, bah, il verra pas non plus mon digicode. Hein, la lampiote rouge concrètement. Hein, car concrètement elle est cachée par le mur. Voilà, chers amis, je vais donc arrêter cette vidéo. C'était simplement pour vous sensibiliser au fait qu'il n'y a pas que les constructions lambda comme on en voit partout. Hein. C'est simplement. Alors c'est compliqué, c'est un peu le bordel. Ouais, c'est vrai. Là je galère d'ailleurs, mais normalement. Voilà. Voilà. Normalement, c'est largement faisable de construire dans une grotte. Maintenant, mon fusil, regardez. Regardez le nombre de balles quoi, que ça tire. C'est un fusil qui fait vraiment, je dirais quand même, alors, en tout cas, il y a 6 mois, bah, j'écoute un peu les bruits, quand on tire souvent, on trahit notre position dans Rust. On peut voir quand même qu'il y a quand même beaucoup d'impact, hein, c'est une sorte de fusil à pompe quand même. Voilà, sachez que, bah, à courte portée, hein, oui, ça fait quand même très mal, hein. On peut one-shot quelqu'un si la personne, en l'occurrence, n'est pas correctement stuffée au niveau de ses équipements, enfin, ses habillements. Bien, bah, écoutez les amis, ce sera terminé, ça va se terminer tranquillement. Je vais pas forcément continuer ma base ici. J'essaierai de vous parler des endroits
Hein, je vous avais dit hein, dans la vidéo d'avant qui concernait le premier épisode notamment, que j'allais vous parler des centrales nucléaires, de ce genre de trucs. Donc, bah, concrètement, je crois qu'il y a quelque chose par là-bas aussi. Je sais plus trop. Mais voilà, il y a des sphères, il y a d'autres lieux où... Voilà, je vous remonte la grotte. Attends, je vais quand même faire le tour, je vais vous montrer. J'ai des petits lags, hein, ouais. Je suis en train d'uploader ma vidéo. Donc là, c'est là. Voilà, on peut rentrer par là. Donc c'est pareil, hein. Sachez que c'est une grotte... j'avais déjà construit dans une grotte quasi ressemblante à celle-ci. Donc on peut venir, franchement, construire en hauteur. Il n'y a pas de problème, c'est largement faisable. Même ici, hein. Je veux dire, regardez, j'ai les privilèges de construction. Alors, je vous montre, hein. Voilà, concrètement, voilà, je peux mettre des fondations. D'accord. Donc... N'ayez pas peur, en tout cas essayez hein, si vous souhaitez faire le test, hein, voilà, car en fait voilà, à part ici, si on regarde de ce côté, c'est pas une grotte, voilà, c'est une butte hein, tout simplement. Donc concrètement, voilà, bah, je fais le tour complet, voilà, je vous montre. Là j'ai le privilège de construction, donc les gars eux auront le blocage, donc c'est ce qui va me trahir, c'est ce que je vous disais. Mais là je l'ai perdu, vous voyez, j'ai plus le privilège. Je vais le retrouver bientôt normalement, regardez. Voilà. Là on voit pas que c'est on ne voit pas que c'est une grotte non plus. Je n'ai pas le privilège ici car je suis plus bas que l'armoire. Mais regardez, quand je vais remonter, je vais à nouveau retrouver mon privilège. Je me trompe de sens, c'est pas là. Où est l'entrée? Elle est ici. Voilà. Alors privilège. Ah oui, et même pas. Ouais, si, ça y est, je l'ai là. Regardez. On va regarder un truc ensemble. Ouais, je l'ai retrouvé. Là, ici, je l'ai perdu. Ok. Concrètement, si les gars n'avancent pas ici, ils verront pas le privilège, en fait. D'accord. Bah, écoutez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement sur quoi. Il y aura l'histoire des centrales nucléaires, comme je vous le disais, là, hein, tout ça. Mais il y aura probablement d'autres choses concernant la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore. Allez, merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à apporter vos conseils et vos... Bah, les nouveautés de Rust, hein. Moi je peux tout à fait passer à côté de certaines choses, je le redis, ça fait 6 mois que je n'ai pas joué hein, à Rust, voilà, je l'ai repris ce jeu il n'y a que quelques jours. C'est la deuxième vidéo, en tout cas, oui, la première vidéo est en deux parties, donc là on va dire que c'est la troisième, mais concrètement c'est la deuxième. Voilà, je voulais vous expliquer les grottes. On parlera des centrales nucléaires, comme je vous l'ai dit, des sphères, dès que j'aurai un moment pour les faire, ces vidéos-là. On parlera aussi des montagnes, on parlera d'autres biotopes, hein, pour vous expliquer un peu plus, rentrer un peu plus dans le concret du jeu. Merci à vous, à bientôt les amis, bye bye!